イデオ体操第一、よーい、ドン、全力疾走。いきなり走るのかよ。おい、もっと早く。私の勝ちだ。Bonjour et bienvenue dans Superplay. Aujourd'hui, je retrouve Boss pour un jeu toujours sur Master System 2. Un peu bizarre, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Bah, ce jeu, c'est The Ninja. The Ninja. Sorti en 86. D'accord, donc même année qu'Alex Kim d'ailleurs. Exactement, ouais. Donc l'année des bons jeux d'ailleurs. Voilà, magnifique jaquette kitsch à souhait européenne. Hein. Toutes les boîtes avaient un petit peu ce design-là à l'époque. Très moche, faut le reconnaître. Alors, c'est quoi comme jeu en fait ? Moi, j'y ai jamais joué. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ? Plus ou moins run and gun ou shoot 'em up, ça dépend de la manière dont on veut l'appeler. En fait, on a un personnage qu'on voit de vue à verticale, et on s'amuse à tirer des shurikens. Ça peut faire plus ou moins shoot 'em up. D'accord. Il y a une façon de scorer qui est un petit peu complexe. Exactement, il y a un système de scoring, donc c'est un jeu assez old school. D'ailleurs, il expliquait dans la notice, on a ça dans la notice qui est assez rare d'ailleurs. C'est qu'on sait exactement combien de points rapporte chaque ennemi. Exactement. Il y a du coup des techniques de détruire des ennemis de façon globale, c'est ça ? Il y a aussi la particularité du fait que les ennemis, lorsqu'ils nous tirent des shurikens, on peut les contrer. À chaque fois qu'on contre ces shurikens, on gagne des points. Mais bon, la particularité aussi qu'il faut savoir, c'est que le jeu nous récompense lorsqu'on utilise le moins de shurikens possible. Ok. D'ailleurs, c'est pour ça que... Il y a un degré de précision, c'est ça, à acquérir dans exactement. Le jeu ? Très bien. Ben, on va voir tout ça. Tu essaies de finir le jeu, tu le one life, tu fais quoi ? Exactement, le jeu était très très difficile. Ouais. Mon objectif est de faire un omis. Comme je le rappelle, c'est un jeu très rétro. Lorsqu'on se fait toucher, on meurt. D'accord, il n'y a pas de barre, il n'y a pas de demi-mesure, tu meurs direct. Direct, à l'ancienne. Donc, c'est parti pour un One Life de The Ninja, en scorant un peu quand même. Un peu. Un peu beaucoup. Allez, on va voir ça tout de suite. Donc voilà, hein, on voit le jeu, hein, y a la map. Ouais. On commence du bas, on va. Donc là, on est lancé directement. Exactement, le gameplay se compose de deux boutons. Un bouton qui nous permet de nous tirer uniquement vers le haut, même lorsqu'on descend, il suffit de maintenir le bouton et on tire vers le haut. Ouais. Il y a un autre qui nous permet de tirer dans toutes les directions. Ce qui est assez pratique selon les C'est pas commun ça comme gameplay alors. Exactement. Là on a pu voir vite fait que j'ai récupéré un parchemin. Ouais. Il y a trois types de parchemins. Un parchemin rouge qui nous permet d'avoir un shuriken. Ouais. Un peu plus puissant car en fait lorsqu'on tue les ennemis normalement on a un petit couteau qui disparaît. Et bien là avec le shuriken il traverse tout l'écran donc du coup on peut détruire tous les ennemis qui sont sur la lignée du shuriken. Ouais. On a aussi un autre parchemin qui nous permet d'être plus rapide. Et les parchemins verts qu'il faut en récolter 5 pour pouvoir avoir accès. Mais du coup, on sait à l'avance où ils sont ces parchemins ça marche comment pour les deux parchemins, c'est lorsqu'on détruit les ennemis. Même quand on meurt, ils réapparaissent. Ah ok. Par contre, pour les parchemins verts, comme on le verra d'ailleurs dans le jeu, c'est un peu plus compliqué. C'est de la connaissance vraiment. Je vois que tu arrives à te télétransporter là. C'est exactement. L'autre particularité du jeu, c'est qu'on peut disparaît durant une fraction de seconde, pour ça il suffit juste d'appuyer sur les deux boutons en même temps. Ok. Et c'est très très pratique d'ailleurs quand on peut le voir sur les rochers, j'arrive à les esquiver tout en détruisant les ennemis. Du coup il y a des ennemis, je me doute que tu vas les battre comme ça aussi. Exact. Là on a pu voir aussi que le scrolling a avancé d'une manière assez particulière. Ouais, c'est un peu en diagonale comme ça, ouais. Voilà, là on a le bilan du stage, il y a plus ou moins un système de scoring comme je l'ai dit. Là par exemple quand on peut voir je score. Je les regroupe ensemble. Ouais, j'utilise qu'un shuriken pour les détruire. Parce que du coup, c'est pas le fait, enfin ça rapporte pas plus de points, mais le fait que tu utilises moins de shuriken, ça va augmenter ton niveau de précision et c'est ça Exactement. Qui va te rapporter des points. À la fin du stage, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Donc voilà, hein, j'essaie de tous les réunir. Donc il doit y avoir moyen du coup d'orienter comme ça tous les ennemis du jeu. Je pense qu'il va y avoir moyen de faire un bon score. Après, je sais pas, il me semble qu'il y a peut-être des ennemis qui rip-pop. C'est pour ça que j'ai évité de faire du score, parce que si ça se trouve, on peut faire du counter-stop, vu qu'il n'y a pas de timer. Ah ouais, il y a moyen de glitcher justement pendant un certain temps. C'est un défi pour ceux qui veulent s'aventurer là-dessus. D'accord. Moi, je me contente déjà du Nomus, comme on peut le voir, c'est déjà assez tricky. Ouais. Là, par exemple, les ennemis m'ont lancé des fossiles, ils ont directement changé d'arme. C'est assez tricky. Donc là, on va voir, si je dis pas de bêtises, il y a le boss qui va me lancer un shuriken, mais qu'en fait, que je peux pas détruire. Donc du coup, je dois à chaque fois esquiver le shuriken en question. Esquiver est très important, oui. Exactement. Niveau gameplay, d'ailleurs, enfin niveau maniabilité, ça va, c'est assez... Parfait. Ouais. Il est vraiment très très agréable à jouer. Ouais. Pas de reproche à faire là-dessus. D'accord. Ouais, parce que des fois, sur les vieux jeux comme ça, c'est un petit peu hasardeux. Exact. Les beat'em all un peu. Là, c'est un stage où on va voir un parchemin vert. Enfin, un deuxième parchemin vert, plus précisément.
Quand on pourra le voir, il faudra le faire apparaître d'une certaine manière. Là, un droit très vicieux. On voit d'ailleurs des nouveaux ennemis. Ouais. Espèce de femme samouraï qui nous saute dessus, à l'extrémité. On la voyait planquer derrière la, derrière la maison, là. Voilà, une espèce de kamikaze qui nous vient, qui essaie de nous tuer. Ouais. Et là, en fait, la particularité, c'est de tirer un certain nombre de shuriken, je sais pas combien, donc du coup, moi, j'ai un peu martelé le bouton pour pouvoir faire apparaître le parchemin vert. Il faut le savoir, ça aussi. Ça sort d'où, ça, alors t'as essayé de tirer sur tous les pylônes comme ça pour trouver Fait, non. C'est un jeu qui, d'ailleurs, j'ai fait durant mon enfance et jamais pu le finir parce que j'ai jamais su trouver les parchemins verts. D'accord. Grâce à Internet, j'ai pu trouver les parchemins verts. Internet aide beaucoup au développement des communautés de superplaying, de toute façon. Exact. Mais c'est une bonne chose, hein. Maintenant, il faut quand même essayer de jouer le jeu, essayer de galérer comme un pouet au début. Disons que j'ai galéré, mais je l'expliquerai après. Ouais. Quand on n'a pas tous les parchemins, on refait le jeu à l'infini. Donc, ouais. Voilà. Donc là, pour revenir sur le niveau, assez particulier, très difficile d'ailleurs. Mmh. Assez original. Très original, il faut se mettre sur les bûches en bois, là. Ouais. Énorme de bûches en bois. Mais si j'essaie de mettre en haut, en fait, c'est pour pouvoir détruire le boss d'une certaine manière. Dans quelques instants, mais là, il faut faire gaffe. Hein. Bien contrer les shurikens, ça qui est assez excellent, on peut contrer les tirs ennemis. Donc voilà, je mets dessus. D'accord, ça dure même pas 5 secondes en fait. Ouais, magnifique. Les niveaux ont l'air quand même assez courts globalement, il n'y a pas moyen de se perdre dedans, ça va Non, c'est un scrolling assez simple, on va tout droit assez simple. Mais là par exemple, un ennemi qu'on n'a pas vu. Ah bah là oui, elle n'était pas planquée là du coup. Là c'était vicieux. Il y a plein de pièges partout. C'est exactement. Ça, ouais. C'est ça la particularité des jeux rétro. On peut se dire, c'est super court, 10 minutes, mais le jeu est tellement difficile que ça nous prend un max de temps pour pouvoir le finir. Et puis avec cette histoire de parchemin en plus, tu peux recommencer des centaines de fois ces 10 minutes avant même de comprendre ce qu'il faut faire. C'est ça. Si vous voulez le faire à la loyale, n'allez pas sur internet ou n'allez pas à la vidéo. L'appareil, en fait, c'est quoi? T'as tiré dans l'arbre pour le faire apparaître? J'ai tiré sur l'arbre et t'as le parchemin qui apparaît, mais bon, ça pour le savoir. Il faut vraiment s'ennuyer sur le jeu et ça nous attire. Il était bloqué, lui, dans l'arbre, carrément. Exactement, j'en ai profité. Ils ont une manière de programmation assez bizarre. Ils bougent un peu, ils gesticulent un peu bizarrement. Ouais. Et du coup, j'ai profité de ce bug, du masque de collision de l'arbre, et je l'ai bloqué. Mmh. Là, par exemple, une petite astuce sur la femme ninja, j'ai laissé apparaître uniquement ses pieds pour pas qu'elle me tire dessus, et du coup, je l'ai détruit. D'accord, parce que si elle n'est pas en entier dans l'écran... Elle ne tire pas dessus. Elle n'est pas considérée comme faisant partie de la map, en fait. Exactement. Intéressant de le comprendre, mais je suppose que tu as dû beaucoup essayer avant de... C'est une petite astuce à savoir. Donc là, voilà, on retrouve toujours le même boss récurrent. Le maître d'arts martiaux, je ne sais quoi. Bon, il a une tête bizarre, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être un truc typique japonais. Hein. Mais j'ai vu dans le manuel, ils ont tous un nom, en tout cas. Tous les ennemis ont un nom. Hein. Ce qui n'est pas forcément... Là, on a changé encore de scrolling. On va de droite à gauche. Ouais. Là, le truc, il faut savoir, c'est que les chevaux, on peut pas les détruire. Sont là pour... Donc c'est comme les pierres de tout à l'heure, t'es obligé exactement, de les éviter. Exactement, faut chercher à les esquiver. Là c'est juste une histoire de timing, on se met juste au centre et il y a un ennemi qui apparaît en haut, puis en bas, et ainsi de suite. Mais faire très attention. Là il faut s'identifier par rapport à la musique quand le boss apparaît. Comme ça, une fois qu'on entend que la musique du boss apparaît, on se met à l'extrémité de l'écran, comme maintenant. Et ensuite, on le détruit et voilà. Sinon, on risque de se prendre son espèce de canne là. Exactement, il y a la canne comme ça, il y a le cheval qui nous fonce dessus. Ouais. Ça devient assez chaud. Beaucoup de façons de mourir très bêtement. Exact. Là, on peut voir qu'il y a des nouveaux ennemis. Là, les ennemis ne se contentent pas d'apparaître bêtement comme ça, ils apparaissent par le sol. Hein. Mais ils apparaissent toujours au même endroit ou Ils apparaissent au même endroit, mais si on ne les détruit pas instantanément, après ils apparaissent de manière un peu aléatoire. Ah, d'accord. Là, j'essaie de les détruire le plus rapidement possible. Exact. Ah, il était planqué dans un caillou, lui. Ouais. Ils sont des ninjas. Donc, là, j'ai le shuriken, j'ai détruit les trois en même temps. Ouais. C'est tant mieux d'ailleurs. Bah, t'essaies toujours de grouper les ennemis, c'est ça Exactement. C'est un souci de rentabilité. Ça permet de scorer, mais aussi ça permet aussi de. Même si en soi, elles sont illimitées, les shuriken Non, c'est limité. C'est pour ça que d'ailleurs, on a une compte à la fin. C'est pour ça que je dis, c'est illimité, mais il faut pas en abuser si on veut vraiment scorer le jeu. Ouais. Bon, après, là, c'est de la survie, mais un peu scoring, ça fait pas de mal, quoi. Bon, là, c'est un chemin qu'il faut prendre. Ouais, pourquoi on verra. Un parchemin. Un parchemin, encore une fois. Donc, en fait, c'est ça, il faut essayer de tirer sur toutes les pierres, sur tous les arbres, sur toutes les maisons. Voilà, En fait, une fois qu'on a compris un peu le principe, ouais. Il faut faire la même chose. Mais par contre, comme on le verra, sur le dernier parchemin, ce ne sera pas de la même manière.
Bon, là, ça commence à devenir assez tricky. Les ennemis qui apparaissent par en bas, par en haut, sachant qu'il y a le boss. Mmh. J'essaie d'abord de tous les détruire, comme ça, je vais m'occuper du boss. T'es plus tranquille pour le boss, ouais. Exact. Je mets à l'extrémité, vu qu'il y a les shurikens. Tranquille. D'accord. 59%, là, on voit de précision, donc. Exact. C'est vrai que là, après, il faut un peu se pencher sur la question, mais c'est parti pour scoring. Ouais. Là, pour ce niveau, en fait, ces boss apparaissent de la même manière à chaque fois. Mais par contre, comme on va le voir dans un instant, je vais me rater, je vais en laisser un et d'un seul coup, ça devient assez difficile. Heureusement que tu arrives à te transporter, là, enfin, à te téléporter. Ouais. Exactement, j'arrive à disparaître pendant un court instant et c'est pas négligeable. Ouais, ouais, ouais. Là, comme on le verra, le dernier parchemin, je vous laisse deviner où il est. Donc là, j'ai envie de dire au programmeur qu'est-ce qu'il aurait passé par la tête. Hein. Vache, on voit le boss. C'est pas facile, là. Le boss, logiquement, on va essayer de le détruire. Oh. Et en fait, t'as un parchemin qui est là. Exact. Et une fois qu'on a tous ces parchemins, on a le droit à... Le jeu nous explique où est le passage secret en question. D'accord, et c'est ça qui va te permettre, parce que là, ça va être tellement n'importe quoi que c'est impossible à trouver tout seul, c'est ça? En gros, ouais. Après, j'ai pas test, si jamais on connaît déjà le passage secret, est-ce qu'on peut directement le faire apparaître? Ça, je l'ai pas test. Ouais. Mais voilà, quand t'as pas les parchemins, ça, il faut trouver le dernier. En tout cas, on a vu que tu t'es vraiment fait encercler par des shurikens, des boulettes, des sabres, enfin c'était un peu... C'était la folie, hein. Là les ennemis ils volent pas du tout. Quoi. Ouais. Le masque de collision d'ailleurs de ton personnage, c'est vraiment... C'est le rectangle qu'il y a tout autour. C'est vraiment un bon gros rectangle. Là voilà, les ennemis commencent à tourner autour de moi, j'essaie de les détruire le plus rapidement possible, sinon ils tirent de manière aléatoire. Mmh. Et ça devient assez difficile. Là voilà, c'est gérer entre les deux styles de tir, un peu dans toutes les directions et aussi la verticale. Là, voilà le passage secret. Donc là, tu as envoyé 3 shurikens, c'est ça? Et j'ai disparu 3 fois. Et tu as disparu 3 fois, et c'est ça? Si tu n'avais pas fait ça dans cet ordre-là, ça serait... J'aurais continué, je serais parti dans un château, en fait, qui m'aurait refait recommencer le jeu. Afin entièrement? D'accord. Pas entièrement, mais il va nous ramener à tous les endroits où on n'a pas eu de parchemin. Ah, ok. Ça devient assez vicieux. Là, vite fait, sur le dernier stage, en fait, c'est un labyrinthe. Si on ne connaît pas le chemin, ça devient n'importe quoi, mais il faut avoir quand même de bons réflexes, parce que les ennemis apparaissent. C'est des cul-de-sac, oui, d'accord. Exactement. Là, tu te fais piéger et tu te fais encercler, en fait. Exactement. Et après, on meurt, la cadence à laquelle arrive. Il y a beaucoup d'ennemis, ouais, du coup. Ouais. Là, il esquive très, très juste. Là, le boss de fin. T'arrives à esquiver ses boulettes, quand même, là J'ai réussi à les contrer grâce à mes shurikens. À les contrer, d'accord, ouais. Et voilà, comme dans tout bon jeu, il y a une princesse. Et il y avait encore une princesse. Une princesse japonaise, cette fois-ci. Exactement. Voilà. Donc, bah voilà, du coup, là, t'as fini le jeu. Tu t'es pas fait toucher une seule fois, on est d'accord? Bah non, sinon je serais mort. Et bah voilà. Et niveau précision et tout, est-ce qu'on a des détails justement sur ton. Ta précision globale sur tout le jeu, sur le nombre de choix qu'il a envoyé? Non, on a un score. Le score de fin qui, voilà, selon la précision, comme tu le dis, peut augmenter plus ou moins. D'accord, 263 000 donc. T'as déjà vu d'autres runs sur ce jeu un peu pour voir J'en ai vu comparer? Qu'un seul. Ouais. D'ailleurs, c'est là-dessus que j'ai pu m'inspirer pour pouvoir avoir les parchemins en question. Ouais. J'en ai vite fait sur les parchemins. Si jamais je les aurais pas récupérés, j'aurais fait le château de fin. Ouais. Et à chaque fois que j'oublie un parchemin, le jeu me renvoie au stage où j'ai oublié le parchemin. D'accord. Peut-être qu'au bout d'un moment, tu finis par comprendre qu'il y a peut-être une raison pourquoi t'es toujours téléporté dans le même endroit. C'est ça. Mais c'est pas forcément évident. Voilà, quoi. Comme j'ai dit, le dernier parchemin, là où on croit qu'il faut détruire un boss, en fait, pas du tout. Et c'est là où c'est assez. Donc que ça soit pour ces histoires de parchemin ou justement ces histoires de masques de collision et tout, comme dans tous les jeux des années 80, un peu comme ça, faut vraiment avoir la manette en main pour essayer de se rendre compte de la difficulté du jeu et se rendre compte à quel point, bah mine de rien, c'est quand même plutôt balèze là ce que t'as fait. Donc évidemment, on vous engage à essayer ce jeu de ninja pour vous dire, moi j'ai jamais essayé, donc je pense que je vais peut-être te piquer ta Master System, là on sait jamais. Non. Mais en tout cas, bravo à toi. Est-ce que tu vas rester sur cette machine? T'as d'autres jeux de prévus sur Master System ou... Pour le moment, non, mais j'espère que les gens auront apprécié le run et que ça leur permettra de découvrir le jeu. Ouais. C'est un jeu qui est vraiment excellent, qui a très bien vieilli avec le gameplay et les graphismes qu'il y a d'ailleurs. C'est assez fluide en plus. C'est très fluide. Donc du coup, j'espère que ça aura plu à des gens et sur Master System, voilà, quoi, j'en ai fait suffisamment. D'accord, très bien.